Sophie d'avant est l'heureuse maman de deux enfants, Nicolas et Valentine. En 2019, l'animatrice d'Affaires Conclues avait dévoilé l'origine des prénoms de son fils et sa fille qu'elle doit à une célèbre émission pour enfants. Sophie d'avant est une vraie maman poule. Celle qui est en passe de quitter l'animation d'Affaires Conclues sur France 2 est très proche de ses deux enfants, Nicolas et Valentine, nés de son précédent mariage avec Pierre Sled. Désormais séparée de l'ancien journaliste sportif de la deuxième chaîne, la nouvelle compagne de William Lemergy n'a cependant pas coupé les ponts avec son ex. Avec ce dernier, la reine des ventes aux enchères adore toujours passer des moments complices, surtout en compagnie de leur progéniture qui a tracé son chemin. Si son aîné travaille dans une boîte de production, sa cadette, elle, a lancé un blog culinaire après plusieurs expériences dans l'audiovisuel et le journalisme. La grande amie de Caroline Marjorie Don est donc très fière de son fils et sa fille pour lesquels elle n'a pas choisi les prénoms au hasard. Sophie d'avant se confie sur les prénoms de ses deux enfants. L'animatrice de 60 ans a puisé son inspiration directement dans son enfance. En décembre 2019, elle s'était confiée sur l'origine des prénoms de ses enfants lors d'un numéro très spécial d'Affaires Conclues, tourné au marché de Noël de Mulhouse. Durant ce prime time, Sophie d'avant avait reçu sur son plateau Nounours, le célèbre personnage de Bonne Nuit les Petits, un programme jeunesse diffusé dans les années 60 et 70. Alors que Jean-Baptiste Lédu, le fils du créateur de l'émission pour enfants, était venu vendre la marionnette, la star de France Télévisions lui a fait une confidence en faisant référence à deux autres personnages du divertissement. Moi je me souviens de Nicolas et Pimprenelle, vous savez que si est-ce comme ça que s'appellent mes enfants, avait-elle lancé, alors que sa fille se prénomme Valentine Pimprenelle. Une anecdote trop mignonne.